Le feu rouge, on va l'enlever. Il sert à rien là. On va toutes les enlever, les feux rouges là. Pour l'instant, ça sert à rien de les laisser. Alors, on va faire pareil de l'autre sens. Ah, c'est plus au bas encore. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's power supply. Je pourrais pas faire de sortie là. Bah tant pis, on va faire comme ça. Ah, par contre, je veux pas de demi-tour, bien sûr. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere. Et le feu rouge, on va l'enlever là, on n'en a pas besoin. Alors, faut continuer à agrandir la ville, donc on va continuer à changer les maisons. My dear Professor Hornbuckle. Donc on va faire un logement. Whereas I make no apology for my erudite, but modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poets. J'ai bien envie de mettre des logements comme ça au niveau du lycée. And I do hope it provides your aching spirit some. Voilà. Et les premiers bureaux qui arrivent, j'ai bien envie de faire un petit quartier bureau là. Donc là par contre, on va prendre ça. Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda.
Voilà, on va faire un petit quartier de bureau. Par contre, j'ai commencé à débloquer des... Ouais, j'ai bien envie de débloquer le train et le tramway. Et on peut avoir la police aussi. Donc déjà, on va mettre de la police et des pompiers pour commencer. Des pompiers, j'ai bien envie de les mettre là dans le coin. C'est très bien là. Voilà. Et la police, on va le mettre dans le quartier bureau là. Et on va mettre les premiers parcs. On va mettre un petit parc. Ici. Ça va être très bien pour ça pour l'instant. On va pas mettre beaucoup de bureaux parce que de toute façon... Ça va pas servir à grand chose. Voilà, je pense que ça va être déjà vide. Oui, j'ai débloqué, j'avais dit les transports. On va mettre les premiers transports. Mais surtout, on va continuer à agrandir la ville. Entre les premiers transports. Et on va acheter quelques cases pour arrondir les zones industrielles. Et on profitera bien. Hop, on va mettre un peu là et un peu là. Impeccable. Tout est en train de construire tranquillement. Donc nous, on pourra gérer. Ça fait un gros vide, là. Est-ce qu'on a débloqué d'autres choses? Non, pas du tout. J'ai bien envie de mettre les premiers transports.
De toute façon, je gère que des inscrits, mais je me demande si j'ai pas fait ma première production. Faut que je regarde où c'est. Dans les productions. Ah, on a des trucs de ferme ici. Bon, les forêts, bon, c'est un peu partout. On a du minerai là. Je pense qu'il faut que j'aille vers la ferme là. Pour faire du blé. Ici. Là, on peut se mettre où on veut. Donc, je me demande si je vais pas faire un truc généralisé. Il y a du pétrole à côté en plus. Mais bon, on n'est pas là. Mais pour l'instant, on n'est pas là non plus. Donc, c'est en train de se construire petit à petit. Hop, on va faire une toute première ligne de bus. Donc, le dépôt de bus, on va le mettre. This is an emergency broadcast to all citizens. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of okay. Smoke pose a serious health risk to anyone. Ah, je... La gare, est-ce que je peux la débloquer? All citizens in the affected area are... La gare est déjà débloquée. Et je pense que par ici, il va avoir la gare. Donc on va prévoir ça aussi. On va faire une gare de triage ici. Je vais mettre ça dans un cimetière, ouais, ça fait un peu bizarre. La colline, on va entièrement la virer. La gare principale, on va la mettre. Ouais. Je pense que le cimetière, je vais le changer de place en fait. Le cimetière, on va le mettre. On va le mettre là. Ça passera de mettre la gare. Une gare ferroviaire ici. Je crois. Tac, enfin, comme ça. Tac, comme ça, et de ce côté-là. On va faire comme ça, les rails.
J'ai pas... Mais n'importe quoi. Comment voulez-vous que je m'en sorte si... Driving advisory has been issued for the immediate area due to faut que je refasse ce bâtiment, il est à l'envers. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. On va acheter. Et on va continuer à niveler. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguish correspondence from the listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary... Ça, on va ça après. On a débloqué quoi? There now, my good fellow. Chin up, as it were. No need to walk. Voilà, tout mis. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate. Je sais pas comment faire. My wife tells me. That's good for business and good for the community. Faut que je recule encore cette gare. We'll be back after. Ouais. Je sais comment on va faire. On va la mettre de l'autre sens. Donc provisoirement, on va l'accrocher n'importe comment, c'est juste du provisoire.
Mais non, putain, pas de ça. Ça, on est en difficulté à l'éclairage. Non, on est bon. Mais faut aussi attendre cette fraille là. Là on est bien, on a réussi ce que je voulais faire. Là ensuite, là le raccordement. On va faire comme ça, voilà, ensuite. De l'électricité après, bien sûr. Voilà, impeccable. Là, par contre, c'est moche. Même si c'est que du provisoire, ça va pas le faire. Rail. Bon, on va laisser ça provisoirement, c'est pas grave. Alors, par contre, il nous faut une route. Alors, la route, ça va partir de là parce qu'on va passer par-dessus les rails. Alors par contre, je vais continuer à changer les bâtiments pour mettre des... C'est déjà fait là, je crois. Mais c'est déjà fait. Là, c'est pas fait. Voilà. La zone industrielle, on va continuer à la grandir un petit peu. Ouf, n'importe quoi. Voilà, on est bien pour l'instant. Ah, c'était abandonné ça.
Donc là, on va mettre une. Alors déjà, on va faire une ligne de train tout de suite, ça va être fait. Comme ça, on aura un train. On peut mettre deux lignes. Voilà. On va faire trois lignes de train, comme ça va être fait. Non, on est bien avec les trains. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va faire la gare routière. Des bus. Qu'on va mettre ici. Et on va faire une première ligne. Donc on va mettre des arrêts, bien sûr. Donc le début de la ligne va être là. Je pense qu'on va faire qu'une ligne pour l'instant. Jusqu'à la gare routière, voilà. Donc on est parti pour la ligne. On va suivre un premier bus qui va être sorti.